Super. Allez là, on y va. Bon, 98, récitez le plan là, radio, et que tout le monde écoute. Tout le monde écoute le plan là. Tout le monde qui a accès place sur la radio? Ouais, il faut que je prenne mon service avant. Attendez, ouais, on va aller au commissariat. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, moi, les commandants, ainsi que 03 à l'onomètre civil, 69 et 44, vous restez en tenue avec Ça un véhicule de vaut. police qui sera pas très loin de l'objectif. Ensuite, on va essayer d'aller au contact des vendeurs, des trafiquants. C'est pas Et terminé? on aura un code. Dès que vous attendez ce code qui sera, vous avez de très belles C'est pas terminé? chaussures, ce sera le top. Ne vous inquiétez pas, ils Il est n'entendent pas trop à travers mignon les comme ça. fenêtres. Pas directement sur Vas-y, le pont, vous mettez à l'écart. vas-y, Vous Alizar. attendez la fameuse Prends les phrase, ciseaux. vous avez de belles chaussures. D'accord. Bah par contre, attendez. Tu veux que Quoi? je te commande Comment quoi je fais ce pour soir? entendre la phrase que moi je suis pas sur la radio? Ah Japonais, ouais, mais merde, vous japonais. êtes pas sur la radio, vous. Japonais, asiate. Ouais. Dites Kain, enfin commandant. Quoi? Ah ouais. J'ai des non, j'ai Hein, des commandants. Kenyan Ouais, Bay dites-moi. excusez-moi, monsieur l'agent. Ouais, dites-moi. Faites vite parce qu'il faut que Ouais, j'aille m'habiller. Vous vous dites avancez. sur la radio Mais je vais où TS3, du sur la coup? fréquence TS3, vous me dites vous dites go, Je d'accord? vous Ok, dis. Bah déplacez-moi. Oui. je suis censé vous attendre depuis tout à l'heure là pour vous montrer un Rien, tu peux endroit où m'offrir on ou s'est pas? fait tirer dessus avec un ami à moi. Ah, y'a un collègue qui arrive. Ok, Qui arrive, vas-y. vous restez pas comme Je te ça. vois pas, Ken. Ah, c'est bon. Prends mon service. Merci Alexa qui offre un sub à iFresh, merci les gars, merci Allez, beaucoup. comment il s'appelle? 23 avec nous, hein? Oh, Ok. civil. On Plus de prend 23 en service. T'as compris le plan On par prend 23, c'est en. 23, vous voulez venir en civil? Je pense que 23 Mais fera c'est un bon. officier, hein, c'est un simple officier, vous êtes sûr? Je Le pense temps. que y en a là-dedans. 23? Ouais, dites-moi un petit peu le plan Ok, en gros, je vous explique. Là, on va aller voir la mafia corse. Ok, il y aura le patron de la mafia corse, là. ainsi Je me suis que civil, hein. deux subordonnés au monsieur. On est Ouais. là pour une vente d'armes, ok? J'ai réussi à avoir un lieu de vente d'armes pour Trop moi. Donc, je me suis bien. fait passer pour un civil qui voulait une arme. Normalement, il va nous vendre une AK, un sniper, tout ça, tout sera là, d'accord? On va arriver, on va un peu Oh, tâter le c'est terrain, trop bien, d'accord? je kiffe. On regarde, on sympathise avec eux. Dès que je dis, vous avez de belles chaussures, vous savez que c'est le code départ, d'accord? Donc, ce code départ signifie que les patrouilles vont arriver. Quand ils vont arriver, si bien avant, on a eu le temps de les taser, s'ils n'avaient pas d'armes sur eux, on le fait. Mais sinon, on attend l'arrivée des patrouilles, les patrouilles vont arriver, on fait genre qu'on a peur, ok? D'accord? Si jamais on a les armes, on essaie de faire quoi que ce soit avec les armes, mais après on se retourne. Ok? Et ensuite on les a. C'est très simple, hein. Ça a l'air Commandant? compliqué, mais D'accord, c'est donc on simple. attend le signalement, on fait genre, ouais, on a peur, Ouais, j'arrive là. voilà. Ouais, vous inquiétez pas, regardez-moi. Moi et zéro. Comptez sur moi et 98, 23. Commandant? D'accord? Commandant, et le lutte rendez-vous est Ouais. où? Ça sera plus Le simple si je vais en rendez-vous. civil moi aussi, que je suis pas sur la radio, j'entendrai pas le code d'appoint. Ok, ouais. Ça va, mettons en civil et on y va. Ok. Vous avez vos Le point tasers de sur vous rendez-vous là? est où? Le point de Qu'est-ce rendez-vous, qui se passe? il est à la banque. Ouais, À la c'est banque? sacrément Ouais, occupé c'est comme une banque. banque. Non, non, pas la Pacific Bank. Une banque derrière, il y a un petit Réveille qui parking. croit ou pas? Où Parce ça que c'est se la trouve? ville. Ouais. C'est au centre-ville. Attendez, je vais juste. Officier, venez sur la radio si vous êtes à problème votre service. Attendez, je vais vous montrer ça. Bah. Tout le monde est prêt? Je te demanderai. Ce serait pas Qu'est-ce mieux qui que se tout passe? détective vient ici? Le lieu de rendez-vous est maintenant, hein, donc il faut qu'on y aille. Hein. Qu'est-ce qui se passe, Syl? Montez avec 69, officier. Bah, Oh habillez-vous là! putain. Qu'est-ce que vous faites encore pas habillé, vous? Mais... Vas-y, viens, rien. Attends, dis. On y va, gros. On y va. La... Bonjour, monsieur. Bonsoir. Vous êtes en pleine harmonie à ce que je vois. 6-7. 6 sur Oh, 7. monsieur, 6 sur excusez-moi, mais les 7. cours de tai chi, c'est pas sur parvis, là, du commissariat, là. Vous dégagez, là. Oui, Non, monsieur, vous d'accord, êtes pas policier? excusez-moi. Bonjour, t'es Je pas demandais. policier, rien. Venez tous les deux, venez, on y va, allez, allez. On y va. Monsieur le commandant? Oui. Le nom de l'opération? Choisissez. Merguez! Voilà, Oh putain, Là, c'est oh, Merguez! Merguez! Allez, on officier y là, va! en tenue et avec 69. Oh bon, Ouais, officier, 10-4. vous faites rien, restez au commissariat. Je fous de ma 44. gueule quoi, Opération je suis là. Ninja! Les gars, l'emplacement du rendez-vous est sur la radio. Oui, Popeye, c'est noté, mais t'es sérieux? C'est quoi ce genre de pub agressive là pour un live caritatif? C'est quoi ça? SOS, ouais, des éléphants ours. Déjà, je suis trop occupé à sauver C'est sur des ça que ça singes. vient. Des singes dans mon Il y a pays. plus que dessus là. Ils me demandent d'aller sauver des éléphants. Aux Comores, je Le buzz, sauvais c'est des. quelqu'un de machin, Je je crois. sauvais quelques primates et des. Et des Vous inquiétez pas, makis. il va mourir. Il m'a tué. Déjà. Déjà que je Regarde le paye un billet stalker aux qui nous suit Comores. derrière. Allez, Regarde le buzz. tu peux entendre Ah maintenant. ouais, ok. Ah bah il Et l'a mec, banni. il a Il a banni, été ouais. banni pour trop. Bien joué, bien joué. De toute façon, le Ok. modèle, il est très Bravo, bien. bravo.
69. Allez, toi tu prends ton ban. Allez, toi tu prends ton ban. Toi tu veux aussi prendre ton ban à Streamac? Tu peux prendre ton ban à Streamac? Merde, Jimmy Troll. Vocal, vocal, regarde, vocal, vocal. Oh, le nombre de mecs il a du ban ces derniers temps, lui. Oh là, bon. J'ai pas compris vos termes, moi, Sion. J'ai rien dit, excusez-moi, je t'occupe à réciter. Je suis chrétien. Il est en train de bien gérer. Les mecs, vous avez merci à une bab qui offre à Jay Pickman. Hein, je vous ai mis le point. Est-ce que je reste en second lit ou alors tu pensais qu'il va gérer, il va remettre le et ça va le faire? On y va, j'ai mis la position sur radio. Radio, la position est dans discussion. Vous n'intervenez pas, vous restez autour et les sirènes, si j'entends une seule sirène et j'apprends qui c'est, vous êtes fini, vous êtes viré. D'accord? Et je vous ferai la misère. Cette opération merguez est super importante. D'accord? C'est, on parle de démanteler un gang là. C'est pas rien. Ouais, mafia, faut pardon. Regardez notre sérieux, matricule 24, sérieux, tout le long. Hein. Putain. Oh, putain. Il okay, faut tenir nos rôles jusqu'au bout, les gars. Faut qu'on soit le plus efficace possible. Faut qu'on leur laisse rien transparaître. On laisse rien transparaître, les gars. Gérez vos émotions. Exactement, ouais. Commandant, je proposerais qu'on mettrait 03 sur les commandes du dispositif qui se met autour. Exactement. Bonne remarque 98. Excusez-moi, je suis surchargé. Ah, je le fais, je le dis à la radio. Dites-lui. Popeye, je pense que c'était un troll, on est d'accord, Popeye, mon va de Théo alors. Ouais, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des éléphants, gros. C'est sérieux, pas sur un live comme ça, tu connais comment. Ceux qui suivent mon live. Je compte sur vous, 03, pour vous en occuper. Hein. Il est mort. Ce qu'on va faire, le véhicule est trop cramé là. Le véhicule, ça n'a rien à. Bon, le lieu de rendez-vous, bon, on est en retard, allons-y. À gauche ici. C'est ici à gauche, vous avez la petite montée là, du parking. Ouais. D'accord, vous me laissez faire au début? Les gars, je laisse faire ou je troll là? Non, je vais pas troll, non, je vais sérieux tout le long. Oh, il me met en pression, il est en train de lever le niveau là, les gars du RP, je fais quoi là? Je joue vraiment la peur. T'as pas le mot de téléphone? Je joue la peur d'MG hein, sur okay, le sont là. Fais genre ouais, le mec sont pas. Je joue la peur. Avancez, avancez, vérifiez la zone, avancez. Vérifiez qu'ils sont là. Parce que s'ils sont pas là, c'est que malheureusement, on est arrivé trop tard. Ou alors, il y a peut-être une taupe. Et là, ça la fout très mal quoi. C'est bizarre, y'a personne hein? Y'a personne. Et vous avez donné le rendez-vous des gens? Une personne de la mafia. J'ai organisé tout était bien organisé. Normalement, on devait acheter des AK-47 et des snipers. Heureusement, la personne n'est pas là. Non, on va pas ruiner, les gars. Vous avez pas le numéro de la personne? Non, négatif, les téléphones sont HS en ville. Le réseau. Bon, l'opération merguez va être reportée. Oh non, pas l'opé margaz. Ce qu'on peut faire. On était prêts déjà. Bah ouais, c'est ça, on était prêts, on était malheureusement, je crois qu'il y a eu Qu'est-ce qu'il y a? Si on met un message sur dans le Twitter. Exactement. Attendez, je m'en occupe, j'essaie de trouver une solution. Ouais, faut que les mecs ils jouent quoi, parce que ça serait ouf. J'ai jamais fait une ça m'est arrivé une fois avec Wizum et tout, on avait joué à un mec qui prend une prise d'otage. J'aimerais de mettre un message dans le Dark Chat ou sur le Twitter, hein, commandant. Prise d'otage, quoi d'autre les gars? Braquage. Oh, braquage, c'est tellement bien, on l'avait fait une fois. Oh, c'est ouf quand c'est bien joué, c'est tellement bien. T'es dedans quoi, t'es dans le film. C'est là l'intérêt du sérieux CRP. Merci à Savan Nyakama. Merci beaucoup. Anguissou, top, qui a dit ça? Nouveau message in-game. Ah ouais? J'ai reçu un message? Ah non, mais c'est les coordonnées. Du coup, commandant? Bon, laissez-le, il est en train de sur la radio là. Allô, est-ce qu'on on me reçoit là? Ouais. Allez, retournez sur les lieux. Peut-être qu'ils sont en retard. Faut pas non plus. C'était à 30, mais je sais pas si ils ont eu le temps de venir encore. Hein. On y va. Est-ce que c'est on nous qui sommes arrivés en retard, qui sont partis hein? Non, c'était à 30 piles. On va quand même attendre. Hein. Retournez sur les lieux. Est-ce qu'il y a moyen de changer de véhicule? Réquisition d'un véhicule 4 places. Devant, je crois qu'il y en a. Ce véhicule est HS. Hein. On pourra pas faire grand chose avec ça. Faut que la bouffe arrive à 21h, je commande à quelle heure les mecs? Il y avait que 4 places à votre compte, droite, hein. Là si vous prenez la deuxième à droite. Tu prends mon compte PayPal, alors fais-toi plaisir. Hein. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-là, monsieur, dons, sur le pont. 21h30, vous êtes sûr, les mecs? J'ai 4 places, mais pas très terrible. Ouais, mais au moins ça me fait passer pour une famille de Torres, monsieur. Ah, c'est vrai. Bah, ma femme elle veut manger aujourd'hui japonais donc. Ouais, nous sommes. Vous inquiétez pas. Moi j'aime bien japonais aussi, j'aime bien tout ce qui est yakitori, j'aime bien les sushis. Attendez, laissez-moi parler. Parlez, mademoiselle. C'est une vraie commande monsieur, de bâtard pour le vous inquiétez monsieur, pas, le véhicule est réquisitionné. Allez voir au commissariat, d'accord, monsieur Boz. Allez, oui.
Allez, on y va. Donc on a une famille de gentils touristes, d'accord. Pas, t'inquiète, ça vient se passer, gros. Il y a des gentils touristes au Lyonnais, alors. Qu'est-ce que j'aurais Patrick. Non, tout est déjà organisé, ils savent qu'on fait des braquages, etc. D'accord. Ouais, non, pour la voiture. Ouais, ça, oui, y a pas de souci. Ça, c'est juste pour qu'on passe pour des touristes. Enfin, s'ils demandent quelque chose. En fait, j'aurais dû raser équitable tout derrière, non? Posons-nous sur les lieux, attendons 5 petites minutes. Et si vous avez des suggestions, on peut en faire. Voilà, on reste ici. Bon, les gars, est-ce que tout le monde va bien là? Vous êtes tous. Vous gardez votre sang-froid, tout va bien se passer. C'est pas évident là. D'accord. Oh, j'espère que franchement ça va pas merder. Hein. Non, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. On est bien. L'hameçon, là. Ils sont obligés. C'est des guignols, ils sont obligés. Juste le fait d'avoir rendez-vous, le mec il est venu chez moi m'a demandé si je voulais une arme. Ça a été vite ce fait. Hein. En plus, c'est quelqu'un qui a connu des forces de police. C'est bizarre qu'il m'ait pas reconnu. Tenez bien le volant à écouter les instructions du commandant, hein. Matricule 24. Patoche, je te fais confiance là. À se concentrer sur l'objectif. C'est bien vu que ça fait des crocs, quoi. Vous avez tous un tailleur? Non, c'est bon. Ouais. Ok, vous l'avez pas oublié. Ouais. Hein. Ok, ça va. Respirez, tranquille. Ouais, c'est calme. Soyez pas nerveux, calme. Ne transpirez pas. D'accord? C'est important de garder son sang-froid. Mais la clim, pas toute là, j'ai un peu chaud là. Voilà. Ok, je la mets. Bon, il est quelle heure? Regarde sur ma montre. Il est 39. Il y a déjà 10 minutes qui sont passées. Encore personne n'est ici. Il tient bien le volant des MG comme. J'ai l'impression que votre coup c'est un plan foireux. Hein. De quoi? Ouais, bah si c'est un plan foireux, ça serait très embêtant. Parce que à moi, je ne sais pas comment ils auraient pu. Enfin, ils sautent sur une affaire quand même. Hein. J'ai proposé 8 millions d'armes. Non, j'ai confiance en vous, ça devrait le faire normalement la part. Bah, justement, j'ai l'impression que 8 millions c'est un peu beaucoup trop, non? Ici en ville, non. Ici en ville, il y a une bonne bourse. Oh. La bourse est même trop élevée, oui. Malheureusement, la bourse est trop élevée, donc c'est assez facile de gagner en janvier. Je trouve ça dommage, par contre. On va descendre au pire en bas, juste pour nous montrer qu'on est là, si jamais ils sont là. Ouais, faites ça, mais je pense que... Il y a Anguille sous roche, hein, c'est pas possible. Soit il y a eu une information, soit je sais pas. C'est impossible. Ouais. Si on voit une voiture suspecte, on essaie de l'arrêter juste pour voir si c'est un. Ah, il y a un véhicule à droite. Ah ouais. Ils nous ont pas repéré encore, faudrait leur dire. Je vais essayer de les contacter. Et avec l'un, on l'a. Il a une oreillette? Non, mais. Les potes. C'est peut-être le 1. Gizel, tu me tues. Bah, 504 chargés. C'est un collègue. Ah. C'est le lieutenant. J'ai demandé de... Bon. J'ai l'impression qu'elles vont pas venir en commandant. Ouais. Le problème, c'est que... Ouais, faites un tour et sinon... on devra abandonner pour l'instant l'opération Merguez. Je vais m'y concentrer. Je vais continuer à tourner en violence civile. Je vais essayer de le retrouver. L'opération Merguez avait l'air de sentir bon pourtant. Exactement, je vous le jure, c'était vraiment. On pouvait partir sur toute l'organisation en même temps. Ouais, il y avait le patron qui. Gris à point, là. Ça aurait été bien. Là. Ouais, exactement. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que. Bon, on va partir sur la même patrouille. Donc vous quatre, enfin vous trois plutôt. Ouais. Vous allez partir avec moi. Tout le reste va partir en patrouille, normal. On va essayer de retrouver l'individu pour acheter une arme et réorganiser un rendez-vous. Normalement, avec le rouge, là en face, c'est pas avec nous, commandant. Il faut rétablir le contact, commandant, en fait, avec la personne. Et c'est de... Exactement, mais le problème, c'est que... Je peux... Ouais, il n'y a pas plus flac que... C'est qui, cette unité? Radio, lui, votre... C'est qui, ça? C'est quel? Quoi? C'est quoi, ça? Là, la personne devant, je crois qu'il faut sévir pour cette personne, non? Ouais, allez voir. Il est en train de nous narguer. Poursuivez-le.
Je le poursuis. Radio, à toutes les unités, ah, on annule l'opération merguez. Retournez en patrouille normale. T'es trop lourd, Darkan. Ouais, désolé, j'ai un bouton. C'est le. Non. Ah, ok. Bonsoir. Ah bon. Allons-y. Vous inquiétez pas, l'équipe anti-terroriste arrive. C'était l'Indien. Bon, messieurs. Tu as un livreur. Bon, on verra. Peut-être qu'il était dans de sales histoires lui aussi. Il était un peu louche, effectivement. Messieurs. Je crois que c'est ta peau, hein. Mais je crois que j'ai entendu des histoires comme quoi. J'ai entendu des histoires sur lui, ouais. Mettez de la drogue dans ce qu'il vendait. Ouais. Voilà. Le mec normal est en train de kiffer sa musique indienne. Bon, messieurs, on va aller au concessionnaire. On va acheter un petit véhicule, histoire. Ils sont une balle dans la tête. Ça te dérange si je l'achète pour moi, commandant, vu que j'ai aucun véhicule? Non. Oh, merci. Putain. On va essayer de tourner. La dernière fois que j'ai vu le vendeur d'armes, c'était justement ici en haut, près du mécano. T'as pas de chance. Donc on va essayer de tourner autour. Kevlar casque, il a raison, la prochaine fois, fais en sorte, blinde ton... Par contre, vous inquiétez pas, le monsieur là qui a pris, c'était un calmant. Hein. Ah d'accord, très bien. D'accord, non, c'est qu'on donne aux animaux, ouais, je me rappelle. Ouais exactement, c'est contre les terroristes en fait. J'ai compris que c'était un terroriste, il y a une unité qui est sur lui. Hein. Ah, commandant, vous avez de l'argent pour moi sur plein? Parce qu'on Attendez, c'est combien là? Une fléchette. Qu'est-ce qu'ils vendent là? C'est qui le Lucas BR6S? Ok, bon attends, je te banne def et je répondrai à ta question après, ok? Ouais, t'es là. On va passer à la banque. Commandant, c'est 20 000, vous avez combien sur vous? J'ai 4600 moi. Bah voyez, moi j'ai 15 000. Ok, super. Est-ce que quelqu'un a le reste? Ouais. Moi j'ai... Ah ouais, c'est la hesse là. Putain, ouais, j'ai envoyé monogramme à ma famille au bled là. Et manque pas de soucis. Et manque pile à 800 dollars. Okay. 800 dollars. Oui, non, 801 dollars. Je te mettrai après chinois. Et en gros, il mettait tout le temps... Il posait la même question. Il disait, c'est quoi ce RP de merde? Merci. Tout le temps la même question. Bah si c'est quoi ce RP de merde? Bah tu dégages du stream. Je sais pas si tu trouves que c'est de la merde. Je sais pas, je comprends pas les gens. Ils restent en quoi? Et le pire, c'est qu'ils spammaient la question. C'est super con. Bah c'est pas grave. Enfin, il prend un ban. Bon, messieurs. Là, on part sur un début, du coup, d'opération. Hein on retourne sur... Ok, on y va. Ok, on retourne. Allez là, mobilisation des effectifs là, faut qu'on y aille. Elle va qu'elle, elle a bien le hein. Ouais, exactement. Bon, tournez autour, allons au mécano là, passons au mécano. Tu peux l'individu tourner autour du mécano. Tu peux la poser une d'accord. fois, allez. Ça commence aujourd'hui ou hier? Ouais, ouais, aujourd'hui. Fois, c'est bon. Juste après la tempête. Y'a pas d'intérêt à lire son message. L'individu, vraiment, il était naïf. Je suis passé pour un civil, il m'a pas reconnu au début. Il m'a proposé directement une arme. Bon, y'a personne. Vous faites un poste dans le tuteur. Exactement, j'ai déjà contacté, je regarde un peu sur la radio si. Arrêtez de le taguer, les gars, on s'en fout, il est ban. On va un peu tourner en vélo, ça va quoi ressemble? Hein, commandant? Ouais, une description physique, ça serait bien. Description physique, ouais, c'est. Alors, l'individu est en costard, cravate verte. Plutôt il est habillé un peu style mafia quoi. Mafia c'est un personne d'individu. Ouais radio, taisez-vous s'il vous plaît. Et sa couleur de peau? Noir. Comme de par hasard, ouais bon. Y'a plus d'espoir. S'il vous plaît Kader là. Ouais non, tranquille. Peut-être voir au parking central hein. Y'a plus d'espoir. Ouais tourne un peu hein. On tourne un peu, on discute, peut-être qu'on pourrait trouver d'autres vendeurs d'armes. Hein. Éventuellement. N'oubliez pas que les clés sont fermées, donc en aucun cas... Non, je vois pas. Ok, continuons. Comme de par hasard. Il a des refs, hein. La personne il a des refs, le petit DMG. Il est un peu culturel. D'accord. Je pourrais pas lui faire enculer. Je vois. Par contre, les... Okay, pas qu'on intervienne, on est en tant que civil, hein. Ouais, en tant que civil, là, c'est quoi le visite tour? Il est en train de... Attention! Maintenant, on regarde, hein, on va regarder. Monsieur l'agent... On va voir comment le policier... On intervient.
Le bus devant est derrière louche là, le conducteur. Ok, ah, il est louche. Ouais, ouais, depuis tout à là, il est en train de mettre des coups de portière sur le. Excusez-moi, je suis sur. Je suis sur la radio là, j'ai pas pu. Attention, la pression. Faites attention. Je l'ai pas touché. C'est un attentat suicide. Oh là 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 là. Descendez, il faut porter secours. Oh putain, non. Il y a des civils dedans, il y a des civils dans le bus qui ont pris le bus. Oh. Il y a des gens encore vivants à l'intérieur, on peut rien y faire là, on doit s'écarter. Ça risque d'exploser. On écarte la zone, écartez la zone. Écartez la zone. Vite le véhicule. Déplacez le véhicule, rentrez tous dans le véhicule, on y va là. On se barre ici, on a rien à voir. Y'a pas de survivant, je crois. Y'a pas de survivant. MS-13. MS-13 qui vient de. On les suit. Merci de la manie de la Vega pour Nonix, c'est gentil, Manu. Oh putain. Que? Oui. Bon, ça va, je. Ah, laissez-le, mais le mécano, votre véhicule, il est en train de se faire. Je sais, je vais l'amener. Non, je vous escorte, on y va ensemble. Mais il est sérieux le flic là avec sa moto. Peut-être que je lui donne. Mais je l'amène dans mon garage. L'homme est masqué. Individu dans le véhicule est masqué. Attendez, j'ai reçu un appel pour kidnapping. Pour kidnapping? Oui. Allons-y. J'ai reçu le numéro et j'ai les coordonnées. Ok, on y va là, allez, je vous mets le point, allez-y. Allez, du rythme là, 24 là, on y va là. J'ai mal le turbo, c'est juste en face. Dans le véhicule bleu peut-être. Du MS-13? Ouais, exactement. Beaucoup, ça. C'est leur quartier, c'est un peu chaud, et on était là-bas, comme je vous ai dit, 91 a été pris en otage. Je rappelle qu'on n'a pas les gilets en civil, hein, mais moi j'ai quand même une arme. Moi aussi. L'individu va falloir le retrouver là. Il est juste là, en filature. Non, pas directement. On regarde où il va. Il pourrait nous amener. Alors, comment vous êtes? Alors aujourd'hui, vous avez bien mangé? 24, les fenêtres sont fermées, il nous entend pas. Suivez-le en filature. On fait demi-tour. Je connais un plan, commandant, regardez. Je connais ici comme un con. Commandant, c'est le quartier des MS-13, non? Si c'est qui a eu la prise d'attaque. Ouais, il faudrait un visuel en hauteur, ouais, exactement. Vous avez des jumelles? Ouais, voilà. Ouais, regardez. Je vais vous mettre ça sur un plateau d'or. Super, 24. Bonne initiative. Ah ouais, pas con, DMG. Laissez-vous, Waito. On voit, ils sont combien? Y'a même une. Y'a un véhicule. Je vois quelqu'un au sol, hein. Ouais, y'a plusieurs véhicules, je pense qu'ils sont armés. On demande, ouais. Ouais, l'appel, mais je veux dire qu'il n'est pas tout de suite. Okay. Est-ce qu'on fera pas une petite descente? Ce sera pas le moment? Ils sont en train de décrocher! Ils sont en train de décrocher! On les suit tout doucement. Comptez sur moi! Vous ne les perdez pas de vue là! Déjà là où est-ce qu'ils. Vous inquiétez pas, je ne les perds pas de vue, je vais essayer. Ils sont devant, je les suis en filateur! Ok, je note 4 véhicules de couleur bleue. 5. Même modèle. 5, ouais. Oh là! On a qui. Oh bouge pas, descendez. On bouge plus. Oh, vous inquiétez pas, monsieur. On descend. Ça va, on se calme, on descend. Tranquille, les gars. Lâchez vos armes, les gars. Mais juste. Pourquoi vous nous suivez, les gars? Maintenant, on rentre chez nous, qu'est-ce que je comprends pas, là? Ah, ok. Messieurs, Non, vous me suivez depuis tout à l'heure, vous avez fait demi-tour, vous me suivez. Je vous ai cogné tout à l'heure. Mais c'est exactement où on vient d'arriver? Mais monsieur, vous êtes. Monsieur, je vous connais pas, je vous ai jamais vu. Tranquille. Non, mais c'est bon, tranquille, c'est bon. Tranquille, les gars, on était en train de faire une soirée là, Les gars, y'a pas de soucis. On va aller au bar, tranquille, ça va bien, les gars, on se connaît. Ouais, voilà, on peut repartir, c'est bon. Merci. Ils sont super chelous, ces gens-là. Par contre, il y a un véhicule juste devant, les gars. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait quoi? En gros, quand le mec parlant entendait le pitch, il parlait sur Discord, on entendait son écho, il disait: ouais, c'est des flics, fais gaffe. Ils font quoi? Ouais, c'est des flics, fais gaffe.
Ouais, genre comment le PJ sait qu'on est là? Ils sont comment cons, hein? Bah peut-être qu'ils ont... Ils ont reconnu nos voix quand on patrouille, hein. J'ai pas... On a pas remarqué qu'il y avait un otage. On est sur pain, on dit qu'on a le même chemin, on dit que c'est le hasard, c'est la destinée. Exactement. Mais reste à une distance. Reste à une certaine distance là. Ouais, ouais, on dit qu'on mène un chemin contre l'hypocrisie et que c'est notre chemin qui nous mène ici. Non, non, à mon avis, ça marchera pas ça. Arrête de dire des conneries. Reste concentré sur l'objectif. 24, s'il vous plaît, arrêtez de dire n'importe quoi. Vous voyez pas qu'ils sont armés, 24? Ouais, bah, sérieux. On a déjà eu chaud au cul là. Bah, je suis sérieux, ça tombe plus tard. On prend des risques. Mais arrête de dire de. Donc, s'il vous plaît. Le chemin des hypocrisies, toi, tu peux l'éviter. Ça mène à rien, c'est aucune, aucune cohérence. T'inquiète, j'ai le... Ils étaient 1047, hein. Ouais, ils sont tous armés, faites attention. Doucement, ok. Écoutez, vu comment ils étaient armés, je prévois un braquage de banque. De la banque centrale. Je ne suis pas sûr. Mais ça risque. Donc, on pourrait prendre un coup d'avance, ok? On vérifie. Ok, non, ils vont dans le nord. Continue, continue, continue. On est sur un truc, là. On est sur un truc, allez. Je continue, vous en faites pas. Vous en faites pas pour moi. J'ai mes rétro réglés, je ne les perdrai pas de vue. C'est mieux. Oh putain. On vous enverra une position quand ce sera nécessaire. Pour le moment, vous ferez envie. On va tous mourir, non? Oh bah putain. Bon, RP, vous pensez là? Avec le commandant? Je vais redonner doucement pour l'instant. Kramed? La carte de la discrétion, comme je t'ai appris. On... C'est pour ça que, bon, la carte de la discrétion. On aurait dû changer de véhicule. Hein. On aurait dû changer de véhicule. Non, non, carte de la discrétion. Hop. Fais gaffe, hein, parce que. Attention, on n'a pas des roues. Ouais, on n'a pas. C'est pas un 4x4. Hein. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Calmez-vous, 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 parce que. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Il nous faut absolument un visuel, vous l'avez? Là devant des véhicules, ils sont garés ici là devant. Ils montent tous vers un truc, on fait comment là? On est en merde, on est. Oula, on est pas cramé, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Oulala, oulala, qu'est-ce qui se. Qu'est-ce qui se tremble là? Ok. Ok, vous voyez la montagne en face, commandant, je vais monter dessus pour qu'on ait un visuel sur toute la villa, d'accord? 10-4. Non, ça fait un peu trop loin, reste ici, on est pas trop mal là. Mais on les voit pas. Montagne d'en face, on verra tôt, Darka. Faites attention là, parce que on est dans un... C'est le commandant qui décide. Laissez-moi réfléchir, s'il vous plaît. Non mais il laisse... Bon, RP. 3, 2, 1... Ok, on reste ici. D'accord. Restez ici, gardez un visu sur les véhicules qui sont en bas. D'accord. Ne faites pas attention. Est-ce que vous arrivez... La personne rouge, vous l'avez vu ou pas au fond là? Ah, je sais pas, mais en fait... Ouais, non, je vois rien en fait. Vous voyez la montagne à gauche ou pas, commandant? Vous pouvez avancer un peu le véhicule, je vois rien là. Ben ouais, mais justement, on va être cramé. Vous voulez pas le. Ok, mais on va être cramé, hein. Doucement. Je peux aller plus doucement. Voilà, doucement. Dites-moi stop. On est cramé ou pas, les gars, à cette distance? Bon. Stop. Redescendez sur la route. Par l'arrière, hein. Ah oui. Exactement. Vous redescendez tout doucement. Vous avez vu, tous les véhicules sont encore là. Ces personnes sont dans ce lieu. On peut pas. Je vais regarder l'effectif que j'ai. Attendez deux petites secondes. Vous pensez pas que c'est un rapport avec la mafia? Exactement, c'est ce que j'interviens là, je suis occupé à... De toute façon, là on peut pas s'approcher plus parce que là à mon avis, ouais, ça marche pas deux fois la deuxième excuse, hein, je vous le dis. Je vais vous offrir la vue sur un plateau d'or et ils vont pas nous voir. Ouais, discret. Soyez juste discret. Juste discret. D'accord. Parce que là, ah ouais, on est sur une route normalement... homologuée, regardez. Exact, homologuée. Super. Le problème c'est si, ok. Ouais, et vous voyez va, tout. Alors commandant, c'est quel le meilleur? Ok. Ouais, c'est bien la mafia. On a trouvé le lieu, les deux mafias. On a la mafia et le MS-13. Bon, on voit bien d'ici là. Bon après c'est pas sûr, ouais. C'est quand même beaucoup, hein. Le plateau d'or. Il me faudrait un hélicoptère. Pas trop, il y en a combien là? Ok. Bon, on retourne au comico. D'accord. Non, vous restez ici. Restez ici, 98, on comprend 98. Coupez les phares. C'est quoi le muscle? H. Le bouton H là. Ouais. Sur le... Voilà. Attendez, je vais prendre des photos. C'est nickel. Ouais, prenez des photos, comme ça on a une preuve que la mafia corse est en. Enfin, la mafia en tout cas. Et du coup, c'est peut-être pour ça que la mafia n'est pas venue, commandant. Elle était occupée avec le MS-13. Exactement. 98, il y a combien de mafias en ville? Vous êtes au courant ou pas? Il semblerait qu'il y avait une grosse mafia, les MS-13 et des petits gangs. Ok, d'accord. Donc, il y a une seule mafia. Ah oui, on avait démonté la mafia. D'accord. Bah oui, ça doit être la mafia corse. Je pense qu'on devrait essayer de savoir à peu près sur combien d'hommes là-bas en face. Il a trop de DMG là-dessus. Mais ici, vous voyez combien d'individus là, parce que... À moi, un vrai d'œil.
Allez, je vous dirai 4, vous êtes un peu naïf en motion. Bah, pas bon, manqué de respect, mais... Une dizaine facile, je pense. Pour... Voilà, ouais. Darkin. Ouais. T'inquiète, j'ai les yeux de faucon. Par contre, pas 24. C'est la dernière fois que vous parlez comme ça au lieutenant. Ouais, moi, c'est pour ça que je me défie, je m'excuse. Ok. Parce que comment ils peuvent être 4 alors qu'il y avait 5 véhicules. Ok. Ils repartent. Vous les voyez? Ouais, on les voit. T'inquiète pas, je suis sur l'affaire. Vous avez un visuel sur eux? 1, 2, 3, 4, 5. Vous en comptez combien, les gars, dans le chat? 7. Moi, j'en vois 7. Ils sont combien là? Oh, ils sont trop nombreux. On est en sous-effectif, 5, 6, hein. On pourra rien faire contre 8, eux. 9, mais déjà, 10, on a un lieu de la mafia. Minimum, déjà. Le seul moyen de les prendre, si on est en sous-effectif, c'est par surprise. Quand ils s'y attendent le moins. Le problème, c'est qu'ils sont très 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 très, très lourdement armés. Hein. Il faut être en effectif. Faudrait que j'équipe toute la. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne à l'SPD. Retour au commissariat. Ok, retour à l'SPD. On part avant, comme ça, nous reprend. Exactement. On peut pas, bon, les gars. On a le lieu de la MS-13. Une opération comme ça, il faut combien minimum? De la mafia corse. Ok, il va falloir établir un plan d'assaut, on n'y va pas comme ça, d'accord? C'est super dangereux, les gars. On va retourner au commissariat, je vais équiper tout le monde, on va faire un plan, on va aller en salle de réparation. Il faut être en sur-effectif là, on peut pas. On va aller au lieu des MS-13 qu'on avait au début, on va aller à la mafia qui est à la ville 1. On va réfléchir ça ensemble en bloc opératoire. Il faut tripler les effectifs là, il faudra au moins qu'on soit au moins une trentaine. Exactement, là, c'est. Une grosse arme là par contre, commandant. Exactement, oui, je vais devoir. Ouais, il faut avoir faire des chiffres. Regarde ce bâtard, il va avoir absolument les gros armes. C'est ta affaire. Faut les prendre par surprise, derrière, par devant, et comme ça, ils peuvent pas s'échapper. Voir Alain. Et faire de la sommation. On va mettre une patrouille en hélico, d'accord? Donc, comme ça, on aura une vue aérienne. On va partir sur plusieurs véhicules. On encercle le MS-13. On va partir sur le MS-13, d'accord? Au moins, eux, on a des preuves qu'ils sont lourdement armés. Et que, faites attention, on a déjà des noms. Moi j'aurais imaginé que la mafia corse se serait alliée avec les MS-13. Ah, ils sont alliés en fait. Parce que ça avait pas l'air d'être autre chose que ça. On retourne au commissariat tranquillement, d'accord. Un coup de roquette et c'est terminé, les mecs. Non, on va pas mettre ça. On va pas faire ça, les mecs. Exactement. Entrez dans le garage. Bonsoir, les New Fag. Excusez-moi, c'est juste pour parler du garage d'erreur. 13 mois, ça porte bonheur. Et merci, Beyan. Beyan que je vais ban prochainement. Il nous les faut, les gars, ce soir. Ah ouais, bah bien sûr. Salut Abdel, ouais, c'est nous, t'inquiète. Oh, y'a Abdel, il est trop bien. À gauche. Il s'occupe du portail. À gauche, le garage en bas vers la gauche. Personne n'y va là. Allez-y, sortez des vacuels. Oh, ça va, j'ai pas le ban, les gars. Va falloir plus d'effectifs, là. Je vais devoir contacter, je vais envoyer des mails. J'appelle les shérifs, etc. Ouais, occupez-vous d'appeler les shérifs. Moi, je vais aller dans mon bureau, je vais envoyer quelques mails. D'ici 10 minutes, tout le monde en bloc d'opération. Et en tenue d'officier. Les pare-balles. Avec les pare-balles. Exactement, vous remettez votre tenue, on part en. Moi, je vais aller dans les bureaux du SWAT, récupérer mon armement. Exact. Allez-y. Équipements, est-ce qu'on pourra avoir un hélico histoire de les prendre par les airs et avoir toujours un visuel sur eux? Exactement, ouais. Okay, un hélico, c'est nickel ça. Hélico, il faut quoi? Hélico. Vous avez votre permis hélicoptère ou pas? Une BRI, ça serait bien quoi. Ok, ça va. Vos préférences? Comme ça, je sais. Moi, de tout. Tout, je suis adapté à tout. Parce que j'ai besoin d'hommes sur le terrain, mais j'ai besoin d'hommes sur l'air. BRI, ça dit, je conduis l'hélico, t'es les canards. Moi, je m'occuperai bien évidemment de l'artillerie. Ok, venez avec moi d'abord. Attendez, je prends je vais vous donner l'argent pour acheter tous les fusils. Viens, Pat. Ouais. Pat, viens, il va donner l'argent pour que tu puisses acheter je prenais mon gilet, désolé. Vas-y. Je le prends aussi, les gars. On n'a pas le temps. Oui, y a pas de souci par rapport à ça. Je vais vous donner, alors, une grosse somme, d'accord. Je vous laisse vous occuper des commandes. Vous allez me commander des fusils. Okay. D'accord. Je vous commande ça. La mallette. Où est-ce que Ah ouais. Ouais. Vous voyez cette petite mallette ici à gauche là? Ouais. Je la prends. D'accord. Oui. Prenez cette mallette. D'accord. Ne comptez pas. Vous inquiétez pas. Il y a la somme juste. Vous commandez juste autant d'armes que je vais vous demander, d'accord. Prenez la mallette. J'arrive tout de suite, je vais juste compter le nombre d'effectifs. J'ai pris la mallette. Super.
Oui, mon commandant, on fera tout, tout ce qui est entre pouvoirs. Pour répondre présent. Voilà. Quoi ? Donc, dans, ce, dans cette mallette, il y a 700 000. 700 000, monsieur, 700 000, c'est du gouvernement. Vous allez m'acheter des fusible pop là, à l'armurier. D'accord ? Attends. Vous faites des commandes. Faites des commandes, s'il vous plaît. Là. Ok, je fais des commandes. Je vais faire des commandes. Reviens. D'accord, d'accord, d'accord. C'est... Allez-y là. On y va, on y va. Ouais, DMG s'occupe de la paperasserie, moi ça. Ouais, tu t'occupes de tout ce qui est paperasserie, ok ? Ok. Tout ce qui est logistique, de combat, ça c'est pour toi, ça. Normalement, t'as, ça tu gères, tu fais ça bien. Bah ouais, mon ami, t'as mon connaît, non ? Ouais. C'est juste pas pour rien. On va, on se laissera pas faire, je te le dis, en gros. On va les bouffer, ça. Ouais, allez, on stress, on les bouffe. Radio. Est-ce qu'on m'entend, radio ? Vas-y, prends, prends une arme. Game Express. Non, les armes stress. Ah, ça me rappelle quelqu'un, ça. Ok. Ouais, ouais, je veux. Je dois prendre quoi alors ? Je dois prendre combien ? Je t'ai même plus tard. Prends-la. Laquelle tu veux que je prenne ? Le fusible poop. T'es sérieux là ? Ah ouais, mon pote. Regarde, regarde le matos. Oh putain de sa mère, c'est du gros ça. Ça, c'est du gros calibre 12. Ça. Regarde comment j'épaule. Hop, à l'américaine. Hop, t'as, à l'américaine. T'as des balles au pont ? Merde! Oh putain, merde! Oh, excuse... Oh. Putain. Oh, excuse frérot, putain, merde, j'ai fait une connerie. Merde. Wesh, bon... Oh, désolé, c'est de qui, frérot? Merde! Non, me dis pas qu'il a perdu les 700k. Oh! Putain, t'es sérieux DMG, j'espère que t'as pas perdu les 700k. J'ai les 700k sur moi. Ouf, oh putain. Ouf, putain, j'ai flippé. Comment ça j'ai flippé? Je viens de te dire que j'avais les 700k sur moi. Ok, mais je pensais qu'en putain, c'était fini quoi. Et le tas, mais c'est le fini, j'ai perdu. Quoi? Putain. Là, il faut qu'elle me réinvite, sinon je pars tout. Putain. Merde. Va appeler Vetkain, va appeler Vetkain. Attends, j'ai 700 000. C'est bon ? Vas-y, s'il te plaît, demande-lui. Bah c'est toi. C'est toi qui m'a tué, hein. Ouais, mais je dis quoi ? J'ai fait un accident. J'étais revive, j'étais revive. Il est là, votre commandant, du coup, monsieur. Ouais. Oh, le commandant, on a eu un petit souci là, je l'ai mis un coup de coude, il a, je l'ai étalé par terre. Merci en tout cas, c'est gentil. Merci, monsieur. Concernant l'argent, la logistique là, il faut qu'on voit avec le commandant directement ou on le demande directement à lui ? Non, c'est bon, bon j'ai l'argent. Ah, c'est bon, tout est réglé. Ouais, on s'occupe de la logistique pour l'attaque. Bon, il y a Darka, tu peux me dire, il y a combien de fusils bullpup ou pas ? Là, il y en a 3 là. Ok, bah, on le prend pas. C'est pour les collègues. Trahi la police, rejoint la mafia corse. Non, 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 on n'a pas. On... J'ai aucune liaison avec eux, je peux pas dire. Je dire que sur les 7 moments qu'il a donné, je vais en garder un peu pour moi. Mais non, 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 j'ai plus d'argent. DMG, les 700 000, je dois acheter l'hélicoptère là, viens. Mais non, l'hélicoptère, il a déjà acheté. Mais prends un... viens, on prend un tank. Non, peut-être pas longtemps. Genre ? Putain, je vais, faut lui demander, faut qu'on le contacte là. Ce serait énorme. Viens, on prend le pistolet. Non, calme-toi, t'as trop un excès de kiff. Attends, je vais demander. Alors, un tank ou pas, les gars ? Ou pas, peut-être pas un tank, mais un... Comment on appelle ça ? APC. APC, ça va, non ? APC, c'est pas mal. Ouais, un véhicule blindé. C'est le... C'est le sixième fusil bull pour que j'achète. Non, en gros, il faut au moins qu'on ait... attends, on va réfléchir. Un truc blindé, quoi. Non, je refais. C'est quoi ce crâne que t'as là maintenant ? Ouais, désolé, j'étais un peu raté à Island sur le dégradé, mais. Réré, viens vite. Tiens. Tu peux le... Non, tu peux le récupérer. Oh, braquage, vous pouvez nous niquer, y'a pas de soucis.
Non, attends, t'as pas compris, c'est que lui, depuis tout à l'heure, Je vais me mettre en mode Indie Combat, ça va devenir sérieux, lâchez-moi. Ils sont chez nous, mettre dans la maison de fou. J'ai déjà acheté sa bouffe, les gars, tranquille, c'est un livreur de bouffe. Imbécile avec tes frigettes. Monsieur, j'aimerais porter plainte, ils m'ont tiré dessus alors que j'étais en voiture. Et après, ils ont essayé de me mettre à l'hôpital pour que j'aille chez les fous. Ouais, ouais, tranquille, tranquille, ouais, mais... Lui, là, avec ses bouclettes rouges, là. Alors, je vais vous expliquer la situation. T'es dégueulasse. Calmez-vous, oh là là, monsieur, je peux savoir ce que vous faites, là. I'll take you up, ouais, c'est normal, il a pris un peu perso, c'est normal. Je comprends rien ce qu'il raconte, mais c'est quoi cette ville avec tous ces immigrés? Dans mon bureau, je dois vous parler. Mais justement, tout le monde dans mon bureau, tout le monde dans mon bureau. Ouais, bon, pour la commande Tandoori Chicken, ça sera pour la semaine prochaine, je demanderai, ok? J'ai un méchoui. Ok, no problem. Ok, merci. No problem. Thanks a lot. MS13 ou je sais pas qui ça raconte lui. Le MS13 là il est venu directement dans notre bureau. Hein, je sais pas. Ah, du coup j'ai acheté les faux ébourbeaux pour rien. Non, vous a pas acheté pour rien. Bon. Maintenant on les laisse et on va se concentrer à autre chose. D'accord. Oula, il y a un armement d'assaut ici. Restez ici parce que l'homme est sur. Où est son pote là? Vous êtes venu avec quelqu'un non? Ouais, il y avait un deuxième mec. Ok. 4 personnes sautent un coup là, vous êtes. Ouais, il a fait quoi lui par exemple? Qu'est-ce qu'il fout là lui? Pourquoi on l'a... Mais c'est une personne du MS13 qui vient chez moi me dire comme quoi si il me donne des points de drogue, qu'il nous laisse récolter, mais si jamais on va sur des braquages... Fermez le commissariat. Fermez le commissariat. D'accord, ouais, on ferme le commissariat. Un genre d'indic quoi. T'as intérêt à répondre présent, je te le dis direct toi. Non, vous avez rien compris. Cet individu fait partie de la MS13. Ok. Je vous desserre la menotte hein. Vous me suivez? Allez. Vous avez rien compris, mais de toute façon, je vous ai dit, j'ai rien contre vous. Bon, ouais, c'est ça, ouais. Tu vas devoir répondre de tes accusations, je te dis direct. Avance. Il a fait des aveux. Hein. Il a fait ses aveux comme quoi il faisait des braquages, ils sont racketés des gens. Très bien, il va continuer à faire les aveux, tu vas voir, tu vas parler, t'inquiète pas. Juste, tu peux arrêter de menacer, s'il te plaît? Non, je te menace pas, okay. Mais tu vas comprendre nos méthodes, tu vas dire. Comment ça, je peux savoir ce que vous dites là, monsieur le MS13 là? J'ai juste demandé à vos collègues d'arrêter de menacer. Sinon quoi? Non, c'est lui. Bah, j'ai juste demandé ça. Ouais, bah, déjà, monsieur le criminel, là, vous allez vous fermer votre gueule. Parce que si je me rappelle bien, vous avez fait des braquages, vous avez racketté des gens. Bah, vous venez pour un con ou quoi? Vous venez ici me demander. J'aurais une petite question. Je vois que dans votre sac, il y a 187 500 euros d'argent. Comment ça se fait? Ouais, je peux savoir tout cet argent là, c'est quoi ça? Bah, c'est de l'argent. On va les confisquer, vous n'avez pas le droit d'avoir. Merci Batman. Allez, ça va être. Ouais, on va enquêter sur vous, monsieur, vous inquiétez pas. On va enquêter, si ça s'avère que c'est de l'argent propre, on vous le donnera. Non, mais allez-y, vous pouvez. Et monsieur, vous prenez pour qui nous en venant ici me demander si on peut faire de la drogue? Monsieur, écoutez. Quoi? Je voulais juste vous aider, monsieur. Mais m'aider? Mais oui, monsieur, on essaye d'éviter qu'il y ait des gens qui fassent de la drogue pour éviter que les civils en prennent et en achètent chez vous. Oui, mais. Et vous êtes occupé à me dire que. De vous laisser prendre de la drogue? Mais vous êtes fou quoi? Monsieur, est-ce que vous ne comprenez pas? C'est que nous, en gros, on veut juste récolter un peu d'argent. On n'est pas des criminels non plus. Ouais, donc vous voulez vendre, vous voulez tuer des familles, vous voulez tuer des gens hein, qui prennent de la drogue. Hein, tous ceux qui meurent d'overdose, vous croyez que c'est qui? C'est à cause de qui tous ces gens-là? C'est pas de la vous êtes occupé à m'énerver, je vais m'énerver. Non mais je parle tranquillement avec vous, monsieur. Non mais parce que vous savez ce que vous allez finir, vous. Vous allez croupir dans un trou, vous. Là où vous méritez votre place, monsieur. Vous êtes un criminel. Monsieur, de la plus haute importance, monsieur. Je parle tranquillement avec vous, monsieur. Non, moi j'ai pas envie de... Non, ça... Commandant, c'est pas innocent, s'il est revenu ici, à mon avis, c'était pour récupérer des informations. C'est pas innocent ce qu'il vient de faire, ce move. C'est bizarre, c'est un peu trop louche. Je vais vous dire une enroule. Ré, viens vite, tu vas rigoler. Il y a des hommes bizarres qui sont arrivés, des cow-boys. Les trois points, là, c'est quoi les points que vous voulez donner? Je vous ai déjà donné, Ah, vous avez les points? D'accord, bah gardez les points, merci pour les points, mais il n'y a rien de tout pour vous, ça va? D'accord, mais... Vous allez couper en prison. On vous emmène en prison fédérale. Vous auriez de l'eau, en fédérale. Vous auriez de l'eau, j'ai très soif. Je peux vous parler vite fait? Je m'occupe de la roublesse. Bon, les règles, merci beaucoup, merci beaucoup. On n'a pas commandé une troupe ici, hein. Comment ça une troupe? Qui parle? C'est moi qui les ai appelés. Qui parle d'une troupe, là? Je ne sais pas, vous êtes qui? On est les chiens du Nord, nous. Ah d'accord, excusez-moi, mais oui. Donc monsieur Poulet, monsieur Poulet. Salut les collègues, ça va quoi? Robles. Attention, j'aime pas tout le monde. C'est quoi ces mecs? Attends, ils sont marrants. Vas-y, vous les regardez. Bon messieurs, ce qu'on va vous expliquer là, c'est super important. Oui, ce qui se passe... J'aurais trop voulu jouer eux. Alors,
L'individu, on vient d'interpeller l'individu, ok, qui fait partie de la MS-13. Okay. C'est bien. Ils nous ont braqué juste avant, d'accord. J'ai reconnu les vêtements. Il avait son masque, mais j'ai reconnu les vêtements. David, merci. C'est celui qui gérait les troupes. Donc c'est éventuellement le chef du troupeau, d'accord. L'individu est venu au commissariat pour demander négatif. Est venu au commissariat pour demander à ce qu'il puisse faire de la drogue en échange des points de drogue. Et il nous a bien dit, si jamais on fait des braquages ou on raquette des personnes, vous avez le droit de nous avoir. Ce mec-là est complètement idiot. D'accord, soit il est venu shooter à la drogue ici, soit je comprends pas ce qu'il fait. Cet individu, je veux qu'on le mette en prison fédérale. C'est un individu dangereux. Sur voie garde, il était lourdement armé dans son sac. Il a du culot de venir ici comme ça. Commandant, je peux vous parler ou pas vite fait? Non, mais vous sortez d'ici. Qui vous a dit de rentrer là? Sortez d'ici tout de suite. Pardon. Bah, frère, on t'a dit de sortir là, t'es sérieux? Donc, ouais, pourquoi t'es bouclette de mort là? Tais-toi et observe. Ouais, j'observe. Donc, messieurs les shérifs, est-ce que vous avez bien compris ce qui se passe là? La situation est grave. On a compris. On a très bien compris. Donc, vous imaginez bien qu'il va falloir faire quelque chose. Sûrement que durant le chemin pour aller la mettre en fédéral, le monsieur là. Ouais. Il y aura une attaque, une assaut des MS-13. Donc je tiens à ce que vous soyez réactifs à ça. On va mettre un hélicoptère sur le bus pénitentiaire. D'accord. Ok, on va sortir un bus pénitentiaire. On va les mettre à l'arrière. Ouais. L'individu, on va le faire sortir par l'arrière. D'accord. Je vais sortir un hélicoptère. Mm-hmm. Je vais mettre deux personnes en hélicoptère qui vont assister à la zone. D'accord. On l'emmène en fédéral, on le laisse là-bas. D'accord. Vous avez bien compris ou pas? Ouais. Est-ce que vous avez des questions là? Moi, j'ai une petite question, oui. Oui, dites-moi. Pourquoi à la place de ça, vous faites pas un petit convoi, un fake convoi, comme on dit? Vous faites semblant que l'individu se trouve dans le convoi, comme ça il l'attaque. Et on fait partir sur un deuxième convoi? Et voilà, exactement. Ouais. C'est bon, en fait, vous mettez tout, vous mettez comme si c'était un vrai convoi. Vous mettez hélico, etc. Bus. Ils sont intelligents, les paysans. Et là, vous mettez un mec. Par contre, là, de l'autre côté, je les entends un peu trop, vos agents, là. Je crois que les guignols avec leur chapeau, là, ils en ont dans le cerveau. Monsieur, par contre, ça va pas être possible de coopérer. Ouais, avec vous. Attendez, je vais juste vous expliquer un truc au monsieur là. Vous entendez pas ce qui se passe derrière, ils entendent pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc je comprends pas. Qu'est-ce que vous êtes J'entends rien depuis tout à l'heure. Donc monsieur, vous tenez votre chapeau là et vous m'écoutez. Ouais. Ça va? Ouais, je vous écoute. Ouais, mais qui écoute pas ce qui se passe à l'intérieur non plus du coup. Hein? Mais monsieur, c'est pas votre sac de pédé. OK. Viens avec moi toi, viens avec moi 24, viens. Bon, alors je continue. Vous faites un fake convoi. Vous mettez tous dans un convoi. Et comme ça, par derrière, vous retenez le hôtel. Parce que j'ai entendu la 91. Bon, bro, les gars, calme-toi, gros, on doit coopérer avec eux, donc arrête de les traiter de guignols. T'es sérieux là? Wesh, t'es con? Ok, excusez-moi. Putain, dernier avertissement, gros. C'est matricule? Son matricule, c'est matricule 24. C'est 24. 24, attention à votre bouche, s'il vous plaît. Putain, dernière fois, quoi. Tiens ta bouche, putain. Tiens ta bouche, t'es dit. Ah, faut voir avec le chef, c'est lui le chef. C'est pour la ville. Bon, faites attention, on m'a dit que le commissariat est encerclé, donc soyez sur vos gardes. Ah merde, putain, il y a des gens qui balancent des informations, c'est pas possible ça. On a un agent sur le toit. Il fait un peu de blé d'art. Bon, messieurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre au courant toutes les unités, donc on va ensemble des meetings, d'accord. 98, tenez un œil sur l'individu, s'il vous plaît. D'accord, je vais envoyer 03 chercher le véhicule pénitentiaire. Commandant Ouais. On nous signale plein de véhicules qui rôdent autour du commissariat. Y'a pas de soucis, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Très bien. On a un plan, d'accord. Ouais, on est tous une équipe, on forme une même famille, donc on met tous. Voilà, exactement, super belles ces paroles, Kader. Allez, voilà, on y va là, salle de meeting aussi. Tout le monde me suit. Ok, pas de problème. Commandant Radio, à toutes les unités, je demande à toutes les unités de revenir au commissariat. Venez en salle de meeting, mis à part 03. 03, sortez le véhicule pénitentiaire, allez à l'arrière. Ah ça, vous êtes beau gosse, la cowboy là. Voilà, sois sympa avec eux, ils vont nous aider, donc coopère avec eux, gros. D'accord. J'ai dit que j'ai peur qu'avec le premier plan, ça parte en bas de son. C'était un bon plan, mais ça va partir dans tous les côtés. S'ils ont des lance-roquettes, etc., ça va... Ouais. Putain, mais les gars, moi, je sais pas comment on pourrait faire. Hein. Ah ouais, bah ouais, c'est pour ça. Je voulais pas lui dire devant lui, mais bon... Ouais. Moi je serai tranquille, je serai dans l'hélico, c'est Maxime. Ouais. Je vais canarder. J'espère qu'il va me laisser le feu. Et le recrut jurerait qu'on aille pas dans le comico pour pas aller dans les cellules. Oh, plus vite là. Oh, c'est pas où, désolé. Qui l'eût cru? Excusez-moi, monsieur, j'en sais pas où. Ah, c'est par là-bas. Ah putain, ici c'est le placard à balai.
Genre, des Iri, les flics de où? Salle de meeting. Salle de meeting, c'est ici. Ouais, Discord. Parfait, ouais. Ouais. On va attendre que tout le monde soit là. Bon, par contre, s'ils sont pas là dans une minute, j'ai... On est beaucoup, pas les gars. Messieurs, radio, salle de meeting, est-ce que tout le monde est là? Bon, alors, vu que tout le monde est là, bon, est-ce que tout le monde est au courant de la situation, là? Affirmatif. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une mise en fédérale d'un individu hors de main armée, en bas, ainsi que sûrement le chef de la MS-13. D'accord. C'est lui le chef. Voilà, merci Arès. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un fake convoi. On va faire en sorte que le convoi parte avec un hélicoptère, deux véhicules. Donc un véhicule à l'avant, un véhicule derrière, le véhicule de convoi au milieu, l'hélicoptère au-dessus. Est-ce que vous avez bien compris? Oui, j'ai une question. Normatif. Oui. Quel véhicule on va utiliser pour à l'avant et à l'arrière? Des véhicules blindés. Très bien. D'accord. Je vais aller voir ça au garage si on a de ça disponible, sinon ce sera des véhicules à SPG normaux. Très bien. Ça va? Ce qui compte, donc je vais attribuer les rôles. D'accord. Qui va partir où? Qui a le permis hélicoptère ici? Moi. 24, je crois, il a eu une formation, ouais. Bon, ok, 24 ouais, et 23, vous allez en patrouille hélicoptère. Vous allez sur le toit, vous m'attendez, je vais vous prendre l'hélico. D'accord? Chef, oui, chef. J'ai un bon shoot, très rien. Oui, radio, quoi? Ah, t'inquiète. Ok, 10-4. Il a dit quoi? J'ai pas entendu. Mm-hmm. Pourquoi je l'entends? Pourquoi j'entends pas le mec? Il parle sur Discord. Ok. Ok, okay mais n'écoutez pas ce qu'il dit dans la cellule. Vous l'écoutez plus ce qu'il dit. Maintenant c'est fini. Lui, il c'est en prison et on l'écoute. Merci, plus. Malekini. Merci, Malekini. 03, je compte sur vous pour les informations. Je vais emmener 23 et 24 pour l'hélicoptère. Je demande à un cadet. Bon, monsieur les shérifs, ouais. Va falloir vous départager. Donc, monsieur Kader et monsieur 23, là, vous venez à côté de moi, s'il vous plaît, pour savoir ce qu'il y a. Deux. Donc, il y a un shérif, là, le chef des shérifs. Vous allez avec 69. Les chapeaux, le chapeau orange, chapeau jaune, là. Vous allez ensemble. 17 et 91, vous allez ensemble. Ouais, donc, vous allez être le véhicule d'ouverture. Véhicule de fin. Au niveau des shérifs. Ceux qui conduiront le véhicule de convoi, c'est 69, ainsi que le chef des shérifs. Vous avez compris ou pas, là? Très bien. Dites-moi si vous avez pas compris, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les gars. Moi, je vais avec 17. Nous, on va. Oui, en véhicule d'ouverture. À l'avant ou à l'arrière? Véhicule d'ouverture, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un véhicule? Foutez de ma gueule, quoi. C'est pas possible. Monsieur, non, vous êtes sergent. Entendu. Ah, ok, ça va. Je vais pas entendre, en fait. Exécution, tout le monde va chercher son véhicule. Ah, vous aidez les shérifs à sortir leur véhicule, s'il vous plaît. Ah, bien. Et nous, pour l'hélico, on se met en stand-by, on doit garder le visuel sur quoi? Non, vous venez avec moi. Ok. Vous gardez un visuel sur le convoi. D'accord? Et vous êtes prêt à revenir en cas de problème ou quoi que ce soit. Vous devez nous dire les informations. Pas toi, tu dois garder une filature, là. La filature sur le convoi. D'accord, d'accord. J'espère que tu sautes en swing-gum, Chef. Coup de chef. Chef. C'est chapeau gris. D'accord. Non, moi je prends pas l'hélico, David, je sais que je merde. Darka vient demander pour l'hélico. Vous serez avec moi. Pour l'opération. On ira à 3 avec. Ouais. Messieurs, vous venez? Ouais. C'est là, c'est pas ici l'hélico? Non. Mais qu'est-ce qu'il faut, toilette, ceux-là? Oh! Ouais, il se lavait les mains, je crois. Ouais, on y va. Qu'est-ce qu'il fout, toi? Il est complètement con, mon collègue. Ouais, il faut que tu manges, là. Qu'est-ce que tu fais, bordel? Patoche, t'as à manger, t'as un burger pour moi? Non, j'ai rien, mon pote. Tenez, j'ai quelque chose pour vous. Ah, vous avez des trucs au cas où vous avez des parachutes au pain? Que je vois que les copains, ils en ont? Négatif. Ah non, je crois que les parachutes, il y en a directement dans l'hélico. Mais de toute manière, c'est pas des parachutes ce qu'ils ont, c'est des sacs. Hein. Je peux avoir manger à boire, s'il te plaît, aussi? Ouais. Darkin, je crois qu'il y a des parachutes directement dans l'hélico quand tu rentres dedans. D'accord, très bien. Et oublie pas de voir le commandant, c'est lui le chef. Hein. Vous voyez le commandant, je t'ai déjà dit. D'accord. Commandant, vous aurez encore de l'eau sur plein? Ouais. Darkin, pense à boire en mangeant. Dispatchez-le avec... Merci, commandant.
T'en fais pas, Ré, je conduis trop bien. Dites-lui qu'il gère ses troubles, si c'est... Ah, c'est un chef, c'est un poil. Moi, c'est de la IM16, bon, tranquille. Sautez un coup, Kada. C'est quoi comme... Oh, je vous parle, hein. Allô. Ouais. Ouais. Alors, celui qui va s'occuper du pilotage... C'est moi. C'est 24. Moi, je serai à la visée. Je suis un très bon conducteur. Sérieux, toi. Mais garde ton masque. Récupérer, t'inquiète. Ça sera contre les gaz. Gotez au Chewbacca, les gars, dans le chat. J'ai une question. Est-ce que quelqu'un aurait 5000 sur lui? Non. Négatif, mon commandant. On va l'attendre ici. Ouais, attention, on n'est pas à l'abri d'un coup de pale, écarte-toi. Ah ouais? On me fait chier, ouais. J'espère que t'es chaud pour viser, Darkan. Ouais, ouais, de toute façon, j'attends. Entraîne-toi déjà dans les airs, là, sur les oiseaux. Non, 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 tranquille. Attends. Attention, attention. J'ai pas d'FPS les gars, j'ai pas ma CFG de CS. Je suis à 50 FPS les mecs. Darkan ? Ouais. Vous êtes fort, vous en faites pas, on peut pas avoir un accident avec moi, c'est impossible. Oh bah j'espère qu'il y a des parachutes, un accident est vite arrivé, vous savez ce qui s'est passé oula, dernièrement. Oula, Darkan, venez, attends, ah. Darkan. Ouais. Regardez en face. Regardez là où je regarde. Et vous voyez, pas une personne derrière un tube. Juste en face. Sur le toit d'en face. Vous voyez ses bras qui dépassent. Sur le toit d'en face ? Ouais, il y a un tube. Trois tubes. Venez, venez. Trois tubes. Moi, j'en pars d'ici. Vous voyez pas le toit d'en face? Non. Bah, non, mais vous voyez le toit d'en face? Vous faites ça. Ah, vous... oui, c'est bon, je le vois, ouais. Vous voyez les trois tubes? Ouais. Vous voyez, il y a des bras qui. Venez sur le côté, il y a des bras qui sortent. Il y a quelqu'un. Oh mon dieu, vous avez l'œil. Ça a infiltré. Faut que j'en parle au commandant. On fait comme si ouais. On l'a pas vu. En caca. Il est là-bas, ouais, je le vois. Je le bute. Monsieur le commandant, je crois qu'il y a un mec sur le toit en face. Il y a un espion juste en face, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Où ça? Où ça? Mettez-vous à couvert. Mettez-vous à couvert. Mais qu'est-ce que vous faites, bordel? Abattu. Espion abattu. C'est bon. Bien joué. Il y avait un espion sur du MS-13 en face. Il est encore vivant, il s'est relevé, faut l'abattre. Il s'est relevé, il s'est relevé. Non, c'est, il s'est relevé. Ouais, ouais. Stop, parce que là, il y a une connerie. Là, il y a la con, ça commence à me bannir. Pourquoi est-ce qu'il s'est fait exclure là? Allez, t'as banni toi. C'est quoi ces guignols d'admin? Ouais, attends, je lui dis Je suis désolé de proposer ça, Kader. Ouais, pas de problème, mais il faut que ce soit vite fait Ouais, il va revenir. Il faut qu'il revienne, ouais. T'es guignolé au coin. Mais il a mal visé, il a dû... Je sais pas comment c'est fait pour le bannir, mais... Depuis quand tu peux être sur un toit? Mais bien sûr, t'as pas le droit d'être sur un toit. Les gars? Les gars? Ouais, je peux savoir pourquoi je suis la bonne? C'est pas moi, mais pourquoi il l'a tiré? Mais parce que y a des MS-13. Mais bon, c'est pas grave qu'il l'ait tué ou pas, c'est un mec armé, non? Mais non, pas du tout, c'est. C'est un mec de MS-13? Mais en face? Mais non, pas du tout! Bah, il y a des. Enfin, je veux dire. On est en opération, y'a pas moyen de le faire revenir là? Et si vous êtes pas là, bah vous êtes pas là quoi, vous mettez pas sur des toits. Ah, c'était un admin. Pas près du commissariat, pas en pleine opération, les gars. Par contre, alors déjà, il s'est pas que dans l'opération, de une et de deux, je te rappelle. On a le droit de douter, on est en pleine attaque. Attends. Ouais, mais. Y'a moyen, tu peux leur faire revenir ou pas? Oui, deux minutes. Merci beaucoup. Et attends les instructions d'MG là, il te le dit en plus qu'il va tirer. Il m'a dit tire. Donne-moi son nom et prénom, s'il te plaît. C'est quoi ton nom et prénom? Abby Bazar, je crois. Non, je te l'envoie sur Abby Bazar. C'est fait, non, ça, va, aller, ça va pas tarder. Ok. Bon, on fait quoi là? On attend? Non, il va arriver. C'est bon, t'es là ou pas? Vas-y. Morcan. Ouais, il arrive là.
Merci mon commandant. 10-4, y'a pas de soucis. Par contre, DMG. Ouais. Prochaine fois, écoute, s'il te plaît, arrête de tout ruiner, quoi. On peut faire un truc de ouf et tu urines tout, on s'en bat les couilles, gros. J'ai juste tiré sur le Mac, là aussi, la terre. Ouais, mais attends qu'il le dise, quoi. Il a dit que restait à couvert et toi, tu tires. Ah, mais je l'ai quoi, pas entendu, j'étais trop loin de lui, j'ai pas entendu. Ouais, mais la prochaine fois, tire même pas. Joue le jeu, quoi. Y'a moyen de faire des trucs de ouf, mais toi, tu niques tout. Tu prends un balle parce que là, c'est ta faute. Mais ouais, mais le tue pas, on s'en fout. On est cool. De toute façon, nous, le plus important, c'est l'hélico. Ça, c'est un détail, on s'en bat les couilles. Plus c'est un ennemi. Mais radio, vous inquiétez pas pour le maîtresse qui rôde. Hein, vous inquiétez pas. Ils vont poursuivre le premier convoi. Mais l'ennemi peut pas vous inquiétez invisible. Pas, ça va la trouver. C'est un maîtresse, on peut avoir des doutes. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, il faudra qu'il s'habille et tout. Bon, Kader, venez avec moi. Ouais. C'est bon, je suis pas ce qu'on va faire. Vous savez conduire l'hélicoptère ou pas? L'hélicoptère, ça va être compliqué, mais bon, je vais le faire, ouais. Je peux le faire, ouais. Normalement, c'est bon. Il arrive, mon collègue, il arrive. Dès que j'arrive, ouais, on va l'attendre alors. Bah dépêche-toi, t'attends. Qu'est-ce qu'il fait avec un visible? Cherche-moi là. Et t'inquiète, je le condamne, les cons. Ah, ton live a été coupé, rire. Hein? Non, je préfère celui-là, attends, franchement. Vous cassez les couilles, les mecs, dans le chat, là. Et arrête de rigoler, toi. Reste concentré, dépêche-toi, t'as dit. Il est là ou pas? T'es où? Oh, attends, je suis là. Ah ouais, attends, mais... Là. J'avais pas vu que j'étais aussi à ranger avec vous. Et faut pas que tu tires, de toute façon, il va plus... on a un problème avec l'hélico, on essaie de le régler, là. L'hélice, On la reboîte. Merci Tofik Nikto. Vous patientez encore 5 petites minutes, ça va? Vous inquiétez pas, ils peuvent rien faire. Hein. Je spawn sur le ton. Ouais. Vas-y, va t'habiller, vite. Va vite t'habiller. Je vais m'habiller. C'est Nikto. DMD, je peux pas tirer sur le nom du mistress. Avec sourire de canard enrhumé. Goûtez au Mister Magic, les gars, c'est donc ça, S.A. Vous le corrigez pas, il saura se démerder. Oh, ça va être mouvementé, il va y avoir de l'ambiance, là, monsieur le commandant. Yep, ouais, exactement, donc gardez votre sang-froid, tout va bien se passer, ça va? Oh, j'essaie de respirer un bon coup, mais... Respirez, profitez de l'air de... Je sais, j'ai vu comment ils étaient armés, ils rigolent pas, hein, j'ai l'impression. Exactement, ouais. Attendez, je vais essayer de crier un bon coup là dehors, je vais en profiter pour libérer l'énergie. C'est bon, commandant. Quoi, en ce moment-là, je commence à avoir une putain de... Oula. Ah voilà, ça devait sortir. Oulala, ouais, ça fait combien de temps que c'est emmagasiné en vous là, cette rage? C'est là, j'en pouvais plus. Ah, c'est bon, il est là. Bon, c'est bon, t'as compris le pilotage. Allez là. Vérifiez tout, les boutons là. Vérifiez si tout fonctionne. Fais le check-up comme on a dit là. Vas-y, on y va. Faites un check-up là du. Wow. Allez, on se met en place là. Excusez-moi. On y va, go. Radio, vous commencez à sortir. Je vais vous dire quand vous pouvez y aller. D'accord. Alors, je vous donne un indice. Est-ce que vous m'entendez là? On m'entend? Ouais. Ok. Partez, suivez le convoi. Je vous demande juste de suivre le convoi et de me donner des informations. Ah oui, comment ils me donnent des informations maintenant? Sur la radio TSO. Ouais, j'arrive sur cette radio, d'accord? Vous me donnez les informations en cas de problème, d'accord? Allez-y. Ouais. Je vous fais confiance, les gars, j'ai besoin de vous. Hein. Ouais, allez. C'est bon. On y va. Est-ce que je sais piloter au moins? Ou c'est bon? Est-ce que t'as un visuel? Ok, j'ai un visuel sur le convoi, d'accord? Je répète, j'ai un visuel sur le convoi. D'accord, très bien. Reste en place. T'as sorti l'arme d'Arca ou pas? Attends, je vois rien, attends, oh putain, ça secoue! Il faut que tu sortes l'arme d'Arca. T'as voit le convoi, t'as le voit? Il est en dessous. Il est où? Il est là, je le vois pas! Il est en dessous, j'ai pas le visuel! C'est bon, j'ai mon arme. Le convoi en dessous de nous. C'est bon, je le vois. T'inquiète, je pilote.
À toutes les unités, nous sommes en place avec 24. Je répète, toutes les unités, nous sommes déjà en place, nous avons le visuel sur le convoi. Ok, à toutes les unités, je répète, à toutes les unités, il y a des mouvements sur l'autoroute. Nous venons d'entamer une emprise sur la rocade. Je répète, nous avons une emprise sur la rocade. Convoi toujours en ligne sur la voie 69. Terminé. Rien à signaler sur le niveau du trafic, je répète, rien à signaler sur le niveau du trafic. Terminé. C'est bon, j'ai toujours le visuel, il est juste derrière. Attention à tout débordement. Ne pas hésiter à alerter. Ne tente pas de looping, s'il te plaît. Ne tente pas de looping, là. Non, tu me connais pas sur ce genre de truc. Attention, derrière, derrière, derrière. Attention, attention. Je répète, attention. Véhicule et moto dangereuse derrière, je répète. Véhicule et moto dangereuse derrière. Véhicule suspect. Localisé, attention, près du convoi. Convoi, attention, convoi, convoi. Qui accélère. Terminé. Ok. C'est bon, je suis au-dessus du convoi, je répète, je suis au-dessus du convoi. Je reprends le retard. Visuel sur le convoi, arme prêt à tirer. Ah, il est juste là. Ça, c'est le fake convoi, ça. Dans un... Darkan, mets-moi la visée sur la... Regarde dans la village, il y a du monde au cas où. Prenez, s'il vous plaît, une information. Il y a du monde sur la village, je répète, il y a du monde dans la village. On se tire. Attention, attention, câble électrique, attention. Prenez de la hauteur, gardez le visuel. C'est bon, il y a des mondes sur la villa, je répète, il y a des mondes sur la villa. Votre attitude, s'il vous plaît, plus bas. D'accord, gardez je répète, visuel. Plus bas. D'accord, plus bas, on va aller toucher la tenez route. Tenez votre hélico, terminé. On va se poser sur les véhicules. Non, négatif. Ah bon, faut savoir, plus bas ou plus haut. C'est bon, gardez cette altitude, s'il vous plaît. Merci, terminé. D'accord, terminé. À toutes les unités, je répète, l'opération carte au trésor a commencé. Gardons le visuel sur le convoi. Je répète, visuel sur le convoi, toujours on. Terminé. Nous faisons un remake de l'opération Margaz, je répète, un remake de l'opération Margaz. Terminé. Opération 11 septembre, terminée, abort, opération 11 septembre, terminée, abort. Attention, on nous rapprochons de deux immeubles, je répète, deux immeubles. Attention, câble électrique juste devant vous, chers collègues. On aborde en mission. Non, pas d'abort, 11 septembre, aborted, mais opération merguez en continuité, terminée. D'accord, bien reçu, terminé. Maintenez votre attitude, s'il vous plaît. Je maintiens l'attitude, je suis au-dessus des fils. Radio, est-ce que tout se passe bien? Ouais, il y a de l'activité par contre à la ville, il y avait plein de monde, Kain, il y avait plein de monde. Tout se passe bien, mon commandant. Mon commandant, on est allé au-dessus de la ville, il y avait du monde, il y avait de l'activité. Comment ça, attention. De la villa. Qu'est-ce que vous faites au-dessus de la villa? On a fait un petit tour. Nous avons gardé un visuel sur le convoi. Le convoi est arrivé au parking de la prison centrale. 10-4, merci beaucoup. Revenez à la prison, s'il vous plaît. On est au-dessus de vous, je répète, on est au-dessus de vous. Nous sommes au-dessus de vous, mon commandant, terminé. Comment ça arrive? Vous voulez qu'on se pose, Darkan? Terminé. J'attends instruction du commandant, prêt à poser le hélico, mon commandant. Commandant, doit-on se poser? Je répète, commandant, doit-on se poser? Demandons l'ordre de se poser, commandant. Radio, tiré dessus, signal radio, vite, dépêche-toi. Je peux pas radio, là, je peux pas. Ah merde, vous m'entendez? Bah, radio, on s'est fait tirer dessus, là. Ah, ils se fait tirer dessus, je répète, de tirer dessus, il faut absolument couverture. Tire de couverture. Le véhicule HS, il ne roule plus. Très limité, on a besoin de renfort, dépêchez-vous. Donnez-nous la localisation, mon commandant. Le véhicule arrive, il prend la position. Le véhicule en dessous, tire. Désolé. Attitude, s'il vous plaît. Mettez-moi le point. Cible morte, je répète, cible morte.
Cible localisée, cible... Nous avons le cadavre, je répète, nous avons le cadavre. J'espère pour vous parce que c'est grave sinon. Je répète, cible neutralisée. Terminé. Darkan, Darkan, nous allons faire un petit tour au-dessus de la ville. Le camion. Est-ce qu'il y a le camion? Juste derrière vous. Ah ouais. Rapprochez-vous s'il vous plaît. Approchez-vous, baissez votre attitude. Je baisse l'attitude, je répète. Je baisse l'attitude. Pas l'intérêt, on sera en sécurité. Super. C'est quoi ce bus? Frère Arcan. Regardez-le, on joue. Darkan. Frère Quachin, au rapport. Terminé. Arcan, les deux frères Quachin. Nous allons faire un petit tour au-dessus de la villa. Camion localisé. Demande d'autorisation de neutraliser le camion. Il y a personne dans le camion, hein. C'est un mode, hein, mon cher Darkan. Très bien. Darkan. Oui. Tu vois le véhicule noir en dessous? Suspect, je répète, suspect. Véhicule noir, s'il vous plaît, demande de sommation. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Commandant, peut-on tirer sur un véhicule noir suspect? Je répète, peut-on tirer sur un véhicule noir suspect? Négatif. Ah bah, il y a déjà quelqu'un qui a tiré dessus, et la mort. Ok, 10-4. Ah ouais, la mort. Ok, Darkan, tu m'écoutes? Demande permission au commandant de se poser à la prison. 10-4, autorisation accordée, je parle à... Commandant, allez juste voir. Très si bien. On peut aller juste voir si y a l'activité sur dans la villa, s'il vous plaît, discrètement. Non, vous m'attendez. D'accord, vous m'attendez. Écoute les instructions. J'écoute, je me pose à la prison. Bon, par contre, pour se poser, mon pote. Non, mais... Assure le truc. Ouais, t'inquiète. Faut que je... Qu'est-ce qu'il fait? Allez, pose-toi. On se pose tranquillement, mais sûrement, Darka, d'accord? Maîtrisez votre attitude, s'il vous plaît, maîtrisez votre attitude. Je la maîtrise. C'est un doucement, mais sûrement. Repérez la zone de posing, je répète, repérez la zone de posing. Zone à couvert. Poteau, on approche. C'est bon, voilà. Délicatement. Nous sommes posés, je répète, nous sommes posés. Nous ne sommes pas à paix, on s'est pas fait Kobe Bryant, je répète. Nous ne sommes pas en situation de Kobe Bryant, terminé. C'était chaud quoi. Mais on est où? Venez Darka, venez. Merci Emile CTW, merci à Drink. On y va. Putain, putain, j'allais bouffer ça. Maman, c'est pas par ici, voilà. J'allais bouffer, ça m'énerve, j'ai jamais pas commandé. Là, elle va me tuer, quoi. Putain, je devais couper le live. Putain, d'arrêter maintenant, là. Il peut pas mettre pause sur le RP, là, je reviens tout à l'heure. Ah, Darkan. Ouais. Alors, mon posing. Là, t'es bien? Ah, nickel, 9 sur 10. Et puis, on arrive en reverse quand même, hein. Bah, c'était bon. Le geste était magnifique, je l'avoue. Bon, il faut absolument les retrouver là, quitte à faire du Yamakasi là. Ah non, vous êtes trompé de chez moi. Non. Putain. C'est bon. Ah bah en fait c'est bon. Ah putain. Ah ça fait mal quand même. Merci à Fouad GTK, merci beaucoup. Merci Andex à refaire, hein. Franchement sur serveur, le serveur il est ouf en fait le serveur. Ah, t'es là? Colle-toi. Ouais, c'est bon, je me colle. Il doit se faire interroger, est-ce que t'as les informations? Je peux pas te porter. Non, mais c'est derrière toi, à ta droite. Non, mais vas-y, à droite. Mais Rerik, y'a un gros tronc, tu vois le gros tronc? Attends, c'est bon. Il est là, commandant.
D'accord, attendez deux petites secondes. Oui, c'est bon, on a pu poser l'hélicoptère au centre ça de... Ça va, vous êtes blessé? Non, je vois que vous saignez là. C'est normal parce que je voulais descendre dans l'escalier et j'ai trébuché. Ok, bah faites-vous soigner, je dois le mettre, je dois appeler le gardien de prison, il arrive pas là. Dans mon véhicule, normalement, il y a de quoi se soigner. Tenez, je vous donne les clés de mon véhicule. Merci. Bon, je fais quoi, monsieur? Comment on soigne, là, putain? Rere, t'as un talent? Ouais, je suis là, ouais. Quoi? Ah, ça devient franchise, on propose au commandant d'aller dans la villa, hein. Ouais, mais là, je dois aller bouffer, moi. Justement, on va à la villa maintenant, on s'en fout. Mais non, mais on va pas tous trop, gros. Là, il faut qu'on aille. Comment ça, tous trop? Bon, genre, on va à la villa, on s'infiltre. Mais on peut pas s'infiltrer, gros, un hélico, ça s'entend à 10 km. Mais non, je me pose, fais-moi confiance. Non, tu vas tous trop, on vient après au pire. Comment ça, t'as pas confiance en mon hélico? Non, go pas trop. Ça craint. Là, ils sont en train de faire un truc de ouf là. Y'a le temps là qu'il a été transmis sur la radio, je sais pas si vous avez vu. Déjà l'autre, je vais l'embrouiller parce qu'il est. Je vais prendre ça. Mais normalement. Attendez, deux petites secondes, hein. Je vais regarder ça sur mon téléphone. Bon, on a tué personne sur la rouge. Qui prend le relais? Qui vient chez moi, les gars? Je vous filme mon. Putain. Bon, c'est quoi votre idée nationale, monsieur? Comment? Votre idée nationale? Oui, c'est un guignol. Réponds quand on te parle, réponds là! L'idée nationale, là, dépêchez-vous! 52, là. Arrêtez de parler mal! Wow! Bon, bah, c'est Nathan là. Oh là là, c'est une petite nature ce monsieur là. Ah, c'est une petite nature. Bon, bah, beau travail, les gars. Allez, merci à vous, le gardien de prison. Occupez-vous bien de cet individu là. Il est parti, hein, en parce prison, que. 60 minutes, un chef à lui. Guignol, il l'a dit. Un sautre est un chewing-gum. Moi je crois. Je crois qu'on rentre tous en bus. Ouais, bah, moi j'ai un mécano. Hélico, si, vous inquiétez pas, les gars, d'entrée sur le. Avant de reprendre la suite des opérations, il faut que je me remette des émotions, je dois aller manger. Vous êtes sûr pour les cons, hein? Je peux le ramener moi. Je dois manger un bout là, putain, je suis pas bien. Ah, tenez, j'ai de quoi vous. Non, mais en fait. Ok, ça va. Ouais. Pour la suite des opérations, mais vous en faites pas, je répondrai présent, mon adjudant, mon commandant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Excusez-moi, j'ai des petits soucis là. Il y a pas de soucis, Kader. Je pense que bon, conduisez, 98. À toutes les unités, appelez un mécano pour le cul qui est derrière. Vous laissez pas là, d'accord? Je dois aller manger, ma maman, elle m'appelle. Fragile. De quoi? Kader, DRK, c'est pareil, les gars. Non, je parlais radio. Je clip et je reporte aux amis pour le flux d'RP. Par contre, Réré. Ouais, maintenant, je pense. Ouais, moi. Il va avoir de l'action, fais-moi confiance. Il va avoir de l'action. Tu peux pas aller manger tout de suite. Dès que je rentre dans le serrage, je fais le rapport pour samedi du jeu. Ah oui. Allez, on rentre. Je rentre. Ah ouais? Quand DMG dit ça, ça veut dire qu'il va avoir de l'action. Regarde en haut à droite. Oula, y'a des mecs armés là sur la route, non? Pardon? Bah, vous avez pas vu sur la route? Non. Non, c'est la LSPD qui gère. Non, y'a eu une attaque, l'attaque a été contrôlée, on appelle les EMS. Ah, d'accord. Non, vous inquiétez pas, j'ai pas eu d'informations radio. Les cons, on le laisse là-bas? Ouais, les cons, on le laisse là-bas? 10-4. C'était qui les gens armés là sur la route là? La radio, route demandez aux. Dites. Comment ça, ils ont pas réussi à les réanimer? Qu'est-ce qui se passe là? Attends, laisse-le jouer. Sous la terre. Bonne information, ah ouais, ça. Je peux dire que c'est Ramdan, j'avoue, mon perso est reveu, donc je peux dire que c'est Ramdan. On fait retour au bercail. Bien joué à tous. Ok, ouais, le soleil se couche là, c'est Ramdan. C'est Ramdan. Bah ouais, allez manger, on se retrouve après. Moi aussi, je vais faire une petite pause. Bien vu, 23. Ouais, allez manger, profitez, les gars. Ouais, merci, la journée était. Oh là là, c'était compliqué, hein. Trop en émotion, trop riche en émotion. On fera un retour. En plus, bon, le soleil. Je rentre rapport 98. Le soleil ensuite, qui se couche là, c'est au bon. Retour du Ramdan, là. On ira faire ce qu'on devait faire avec la mafia corse. Moi, je les veux, celle-là. Ouais, aussi, ça, hein. Ouais, on va pas les lâcher. Hein. Bah, justement, en parlant de ça, commandant. Oui. Quand le convoi allait un peu lentement, moi, Darka, j'ai pris l'optique d'aller voir la villa. Ils étaient tous là, hein. Tous armés. Je vais vous dire un truc. La prochaine fois que vous prenez l'initiative, alors qu'il y a un convoi que je vous demande de surveiller. Donc vous avez laissé le convoi sans surveillance. Ok, excusez-moi, commandant. Y'a pas de soucis, 23, je comprends, l'initiative est bonne, mais pas dans ces cas-là. D'accord.
D'accord, je vous donnerai un hélicoptère pour faire ce que vous voulez faire. Je te d'accord. Plus, écoute les instructions, frère. Comme au moins on a l'information que juste c'était encore là, quoi. Ouais. Ouais, tu voulais bien faire, c'est normal, mais bon. Non, l'initiative est bonne, mais. Véhicule vers nous là, véhicule vers nous là, qui colle trop. Je mets un frein sec ou quoi? Non, continue de rouler. C'est sûrement un civil, mais. Je lui mets un frein. Voilà, laissez le passer, il est sûrement stressé, je sais pas ce qu'il a. Ah, on roule pas vite, hein, c'est un véhicule pénitentiaire. Là, vous roulez à combien là? 80? 90? Bah ouais, on roule à 120 hein, sur les tours, hein, tu vois. Ah, je suis sur la bande de droite, hein. Ouais, vous voulez normalement, mais bon, un frein ouais, sec, vous voulez normalement. Ouais, là, c'est un civil, monsieur. Bon, après, c'est vrai, 98, t'as une belle initiative aussi vis-à-vis du. D'une. D'un peut-être un maîtresse qui nous suivrait. Non, il faut jouer avec lui aussi. Hein. Peut-être qu'il en voudra quelqu'un ici, il voudrait pour tenter quelque chose. Access, franchement, c'est exceptionnel. Toute initiative est bonne. Il faut juste trouver le bon moment. Après, les mecs, les modos, ils taffent comme des porcs aussi. Hein. Ils envoient des balles à foison, parce qu'il y a beaucoup de stalk trolls. Et je sais pas comment ils font. Hein. J'espère qu'un jour, il sera whitelist et ils auront que des bons joueurs. Hein. De quoi, commandant, dans la villa, c'est qui? C'est la mafia ou la maestresse? Non, c'est la mafia. Le maestresse, c'est. Vous vous rappelez quand on s'est mis sur la colline, ouais, je vois. Avec les véhicules bleus. La petite baraque là. Ouais, ouais. Bah, cette baraque là, c'est la baraque des maestresses. Ok, du coup, c'est la mafia qui est toujours. Enfin, qui est toujours ouais, 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 exactement. Donc, ce que je vais faire, moi. On va pour attendre, on va les avoir. T'en fais pas. Pendant que vous allez manger, moi, je vais aller travailler tout seul. Je vais essayer de retrouver le vendeur d'armes. Ouais. Et pour essayer de. Oh aïe. Tout va bien? Est-ce que tout le monde va bien là? Ah, bon, on a perdu mal, hein. Ça va, vu conducteur là, 98. Ça va. Ah, il a pas l'air de répondre. 98. Ça va? Ouais, ouais, ça va. Ah. Ça va, de toute façon, il y a un pare-buff devant, c'est bon, normalement ça. Ouais, allez-y. Putain, je vais devoir me mettre. Ah, ma femme va devoir s'occuper de moi là parce que. Ah, je suis dans une salle de repos, hein. Je vais manger tranquille. Ouais, je vais vous accompagner à la salle de repos. On a une belle salle de repos toute neuve. Je prends la même salle aussi, moi aussi. On a une belle salle, là. Ouais, radio, faites un 10-19 tous, s'il vous plaît. Salut, Nathan, CS. Pas content. C'est qui pardon ça encore? Vous avez dit quoi? Je crois que c'était quelqu'un dans la voiture d'en face, en fait. Ouais, c'est dans la voiture, ouais. Je crois que c'est une fille que je connais, c'est une pute de quartier, elle s'appelle Salomon. Oh, 23, mais comment ça? Vous violez pas là, 98 ouais. Là. Restez sérieux là, vous êtes sérieux 23? Ouais, moi j'ai des enfants. C'est ta vie privée, gros. Ouais, mais on veut pas savoir. Que ouais, tu parleras de ça pas ici. Non, mais j'ai juste payé une fois, c'est bon les mecs, c'était pour tester. Laissez-moi tranquille. Ok, bah vas-y, va te reposer, toi aussi t'as besoin de repos, allez. On y bon, va. Allez, venez, moi je vais aller prendre un petit café là parce que. Ok. On a une belle salle de repos là, je l'ai fait rénover. Elle est sûre. Ah, lui commence déjà à m'énerver, lui, radio. Hein. Oh putain, c'est. Dites-lui un peu de se taire, radio, avant que je m'énerve. Qu'il arrête de faire son accent de trou de cul. Monsieur Damien, justement. Qu'est-ce que il termine tout le monde sans blague. Son accent. Excusez-moi, oui, monsieur, j'arrive. Bonjour, monsieur. Même moi, je le fais pas. Même en RP, je critique. Alors HRP, ouais, je le fais en RP. C'est dans les vestiaires, en fait. Ça m'arrive de le faire. Il y a une porte derrière. Vous avez jamais remarqué quand vous êtes venu cette porte ici. Ah ouais. Enlevez vos gilets, respirez, enlevez juste vos gilets et venez. Putain, c'était une grosse OPS qu'on a fait. Hein. Je dirais même plus, c'était une vraie OPSP. On y va là. Casier là. Ah, c'est voilà, là. Pour se détendre. Ah putain, enfin donuts et tout. Ah ouais, frère. Elles sont les filles. Bien manger. Voilà, servez-vous. J'ai commandé. Ah, viens voir, on peut jouer au moins pour casser le jeune, trop bien toi. Exactement, j'ai commandé, je me suis dit allez quoi. Merci, je me fais commander. Y'a pas de soucis, on peut faire du café. Ouais, regardez. Tranquille. Calmez-vous là, s'il vous plaît. C'est qui a entamé. Radio, je peux savoir qui a entamé sa pizza là? Il l'a fini, un petit con, hein. Ah, les bâtards, ça mange des pizzas sans attendre. Putain. Ouais, parce que c'était pour ceux qui. C'est justement pour vous, les gars. Bon, je vais me caler dans le canapé. Tout à l'heure. Allez-y, allez, tout à l'heure, moi j'y vais, allez, fin de tournage, les gars. Vas-y, à plus, Darkan.